la famille Pélissard va bientôt s'agrandir. Déjà parents de 8 enfants, Amandine et Alexandre Pélissard attendent en effet un autre bout de chou. On avait laissé tomber, on avait oublié, on vient tout juste de l'apprendre, il y a une semaine. Elle est en colère car elle ne voulait pas que je le dise, annonçait le futur jeune papa sur les réseaux sociaux. Pour eux, c'est un véritable miracle puisqu'ils ont longtemps essayé de donner un petit frère ou une petite sœur à leurs 8 enfants. Quand ça marche, ça ne tient pas. Ce n'est plus dans nos priorités d'avoir un 9e enfant. Ça a été dur, les fausses couches ont été tellement violentes mais, justement, on cesse de reconcentrer sur nous, assurait Amandine Pélissard, qui est aujourd'hui enceinte d'un mois à peu près. Et comme elle en a l'habitude depuis qu'elle est devenue une star de famille nombreuse, la vie en XXL, Amandine Pélissard ne cache rien à ses abonnés. Ce mercredi 15 mars notamment, la mère de famille a dévoilé son impressionnant baby bump déjà très rond pour l'avancée de sa grossesse. Écho de datation vendredi, a-t-elle d'abord écrit. Très habituée à être enceinte donc, Amandine Pélissard a continué son message en expliquant être très surprise, un tel ventre à 6 à maximum, j'avoue je n'ai jamais connu ça. Non, pas d'erreur de calcul ou de déni de grossesse. Point, je suis juste énorme pour à peine un mois de grossesse. Je ne comprends pas. Dans les prochains jours donc, celle qui s'est reconvertie dans le X depuis qu'elle a quitté famille nombreuse devrait être fixée. Amandine Pélissard, il faut être très prudent et quid d'ailleurs de la carrière porno dans laquelle les Pélissard se sont lancés, on ne sait pas ce qu'on va faire. Enfin si, on sait. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison qu'on arrête. On verra au fur et à mesure de la grossesse. S'il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas prohibé d'avoir des rapports sexuels pendant la grossesse, sauf contre-indication, répondait clairement Amandine Pélissard. Il faut dire que la maman de famille nombreuse vit une grossesse à haut risque. La raison? Un traitement qu'elle suit depuis des années. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, donc évidemment qu'il faut être très prudent, faire très attention, assurait-elle après avoir annoncé sa grossesse. Et si est-il vrai que quand je suis enceinte, on me surveille comme le lait sur le feu? On your